Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans votre météo des municipales pour tout connaître du climat politique de votre région. À quelques jours du premier tour, on assiste à une pluie de sondages sur tout le territoire, enfin presque partout, parce que sur la pointe ouest du pays, vous le voyez derrière moi, l'horizon est complètement dégagé sur le front sondagier. En 6 mois de campagne, aucune étude d'opinion n'a été diffusée à Brest, Rennes et Nantes. 3 villes détenues par les socialistes. De toute façon, vous commencez à le savoir depuis que vous suivez notre météo des municipales, il faut toujours prendre avec précaution les températures que l'on vous communique. Le plus important, on insiste, ce sont les températures ressenties et elles peuvent grandement différer des températures mesurées. Pour vous le prouver, on met le cap tout au sud, à Perpignan, le candidat du Rassemblement National, Louis Alliot, est donné largement en tête dans un sondage BVA avec 16 points d'avance sur le maire sortant, Jean-Marc Pujol. Alliot est mesuré à 35, ça peut paraître chaud, mais en 2014, il avait déjà récolté 34% des voix avant d'échouer au second tour. Au Havre, beaucoup plus au nord, Édouard Philippe est lui donné à 42% par l'IFOP, 17 points devant le communiste Jean-Paul Lecoq. Le Premier ministre reste cependant à la merci d'une liste d'Union de la gauche pour le second tour. Enfin, il y a parfois un autre problème dans le relevé des températures, c'est les conditions dans lesquelles elles sont prises. Est-ce à l'ombre? Est-ce à l'abri du vent? Soyons précis. Comme à Rouen, regardez de plus près, le candidat écolo Jean-Michel Bérégovoy serait mesuré à 32% loin devant ses adversaires. Sauf que la Commission nationale des sondages éclaire, la dernière enquête officielle remonte à septembre dernier. Ce relevé à 32 n'existerait pas, 32 en Normandie, c'est vrai que c'était étrange. On termine, vous l'attendez tous par l'éphéméride, lundi 9 mars, nous serons à 6 jours du premier tour. Et comme le dit le dicton, à la Sainte-Fanny, ne néglige pas les détails, même les minis.